C'est la soirée des main event. On va passer au dernier. Le battle pour le titre. En ce cinquième anniversaire, je voulais faire un spécial big up à Donnie S. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Allez, on passe au main event. Yes. MC à ma droite, présente-toi. Merci beaucoup, mais calmez-vous, quoi. Ouais, la frère. MC, à ma gauche, présente-toi. Yo, 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 Louvard, Luxembourg, DNL, Paris, vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Moi aussi. On va passer au Quentos. Ok. Tu gagnes quoi? Pile ou face? C'est à lui de dire, c'est pas à moi. Hein. Pile ou face? Face. C'est pile, tu décides. Il commence, tu préférence. Commences. Non, non, mais je te demande. T'as une préférence? J'y vais. C'est Louvard qui commence. Allez, gros. Yeah. Let's go, Louvard. Attendez. C'est du genre. History. Genre. History. On peut commencer. Le shit est très original. Ta mère. Je la baisse devant les jumeaux RC, je suis pas un rappeur pudique. Oh Wojtek, t'es mon gars sûr. J'aimerais bien t'affronter, ta gueule l'unique. Oh je me suis dit, tu sais, comment aborder Wojtek? Ce mec, on l'admire jusqu'au Québec, on lui paye des vacances. T'affronter, c'est comme pour tes grands-parents. En 40, c'est quasi perdu d'avance, mais compte pas sur moi pour faire comme ta polonaise de mer qui a donné sa schneck à la France. Oh Ya, yeah. Vous êtes des branleurs? Pas de mon niveau, je tenais à le dire surtout. Vous vous branlez sur des mamans et Marine Le Pen? Je me branle absolument sur tout. Je me branle sur moi, sur nous, sur la vie, des autistes, des castors, des noix de coco à Metz. Je me branle sur toi qui te branle sur Madou, qui se branle sur Marine Le Pen, qui se doite sur des photos de ta mère. Tu sais, pire encore, je me branle sur des filles qui ont la syphilis. Je me branle sur Donis Rinpo, même sur Stunner, et Dieu seul sait que sur Stunner, c'est difficile. Yeah. Juste comme ça, je vais balancer une petite info, j'ai fait mes recherches. On verra si après ça, tes fans te resteront fidèles. Au RC2, il dit « Wojtek, c'est mon vrai prénom », mais tu leur avais pas dit que ton deuxième prénom, c'était Michel. True story. Merci qui? Wojtek Michel. On peut pas t'avoir donné ce prénom à ta naissance. Pour donner ce prénom à ta naissance, fallait avoir grave envie. Je veux dire, on peut pas appeler un bébé Wojtek Michel. T'imagines un bébé qui s'appelle Wojtek Michel? Pas possible. Quand t'as donné ce nom, tu devais avoir au moins 40 piges. Et ignores-tu que je vais te briser, Wojtek Michel Bojanowski? Yo, tout comme j'aurais brisé n'importe quel cuisinier de Sergi. T'as pas compris que j'avais compris qu'on t'appelle Tony Michelski quand tu mets du GHB dans tous les plats que tu sers au petit? Tu t'attaques à des gosses via la cuisine, mec, c'est horrible, mais quel responsable de maison de quartier est assez taré pour engager un cuistot avec une telle tête de pédophile? T'as oublié ce qu'est le rap, hypocrisie ou amnésie? Quand tu retourneras à la fuck date, cousin, un conseil, reste-y. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Tu vas le dire, je sais, j'imite les MC, c'est mon game. Je suis un petit con, je préfère faire partie de ces gens bêtes plutôt que de prendre un personnage qui vote Front National et qui trahit ses ancêtres. C'est déjà une victoire d'être là. Donc je me jette dans la gueule du forgeron, rien à foutre de l'avenir, fuck, rien à foutre de la vie. Toi, c'est pas que t'as des grosses punch ta gueule, c'est juste que la foule réagit. Quand tu parles, ça sent la bouche de nazi. Si t'avais accepté de battle l'unique, t'aurais enfin pris la première douche de ta vie. Alors, Eratum, l'accent est pas terrible, je m'appelle effectivement Michał, de deuxième prénom, Wojciech Michał Bojanowski. C'est un beau prénom. Merci beaucoup. Bon, allez, avant de commencer, tu t'appelles vraiment Jordan? Ouais. Taille.
Ah, ça en dit tellement sur tes parents. Bon, sérieux, tu t'appelles Jordan, t'es un rappeur luxembourgeois, double time. Time, time. Mais non, mais il faut Louvard pour le croire. Alors, autant les MC se suivent et se ressemblent, tels les débris le long du Nil. Mais c'est la première fois que j'en battle un qui s'épile les sourcils. T'as l'air perdu, mon petit chiot, je vais te ramener dans ton chenil. Non, t'inquiète, je vais déflorer ton petit trou du cul juvénile. Il va craquer comme un biscuit, toi, mon petit écolier. Il paraît qu'au Luxembourg, ils ont un goût particulier. Petit bonhomme de Cro-Mignon, je me sens tellement vicieux quand j'imagine ton oignon frêle mais frais et délicieux, mon précieux. Oui, je sais qu'il est trop tôt, je devrais attendre les hirondelles, l'éclosion de ta fleur anale et le parfum de ta rondelle. Ah, putain! T'es à plus d'un printemps d'arriver à maturité. Es-tu sûr de vouloir m'offrir ta virginité? Chut, ne réponds pas. Ressens-tu ce petit truc? Ça te fait quel effet de sentir mon souffle-cheveux sur ta nuque? Je t'ai réservé mon loulou, ma plus belle voix de velours. T'es pas ma bitch, t'es ma biche. Te baisse pas, je te fais l'amour. De par la magie de mes doigts et des miracles de ma langue, tu te délecteras de mon jus comme d'un pur nectar de mangue. Demain matin au réveil, t'auras l'éclat de la rosée matinale. Je passerai ma nuit à t'arroser de mon liquide séminal. De la fraîcheur, de la fraîcheur du caractère, texte aux extraits de ta mère, et un lexique encore plus riche que le plus riche des amants de ta mère. En d'autres termes, je t'encule, Louvard. Mais attention, je le fais pas par désir, mais par instinct de domination. Oui, j'assume d'être lubrique, tu nies être masochiste, mais tu viens baiser en public, salope d'exhibitionniste. Et tu côtoieras le succès, oui, mais le temps d'un passage éclair, tu seras moins couvert de gloire que de mon foutre et de mes glaires. Stop! 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 Comment appelle-t-on les rappeurs blancs du Luxembourg? Les fils de pute. Petit, si j'avais voulu, je t'aurais buté en une minute. Alors tu sais rapper m'sartek, mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Quoi, t'as voulu te faire Wojtek? Tu vas te faire Wojtek. Je suis devenu l'emblème des RC, vous pouvez plus me faire béton. Je fais partie de ta culture G comme je fais durcir leurs tétons. Toi-même, tu me kiffes depuis l'époque où t'avais pas de poil au menton. Alors détends-toi, pète un coup et fais un bisou à tonton. Tu te rends compte à quel point les gens sont sur ton pénis même quand t'as pas les textes adéquats? Tout à l'heure, tu venais à peine de commencer ta phase qu'il y avait déjà un gars qui criait « Ouais !» Calme-toi. Hey, tu sais, ton public aime les cougars, mais une perruque, tu vas te faire gang-bang. Je vois bien les juges dire « Ouais, Louvard était au-dessus sur les trois rounds, mais je la donne à Wojtek parce que... » C'était Derka pour vous servir. Pam, pam! Yo! Comment t'expliquer? Tu m'envoies tes phases, mais je suis pas stressé. Dans ma vie, y a pas que le RC. Toi, ta vie, t'es tellement le RC que quand t'as fini de chauffer un truc au micro-ondes, le micro-ondes, il sonne pas. Il dit time! Yo! Ta vie, c'est tellement le RC que quand tu dis à ta femme « Chérie, je t'ai trompé », elle te dit « Sol !» Sol ! Et puis... Et puis, vous vous embrouillez.
Tu lui envoies v'là le déluge de punchline, parfois même tu lui tapes dessus, mais ta vie c'est tellement le RC qu'il y a ton fils qui débarque et qui dit « Papa, maman, stop, on va voir les juges hey ». Tu donnes le maximum pour essayer de faire jouir ta sale garce de bitch led, mais t'es tellement ennuyeux au lit qu'elle a l'impression de baiser avec trois rounds de Vincenzo. C'est facile, c'est facile, facile. T'es qu'un enfoiré, une belle merde, une petite saloperie. T'es un nazi raciste, pas étonnant vu l'histoire collabo de ton pays natal et le passé colonial de ton pays adoptif. Tu vas crever ici, tu reverras jamais ta mère, bolos. Tu vas finir à poil dans un wagon en coloc avec des Russes traîtres alcoolos qui seront doux avec ton cul comme un soldat qui viole une pucelle en Pologne. T'es tellement tout ce que tu critiques qu'on se demande ce que tu fais ici. Tu dis que le RC est rempli de suceurs, de wacks, de mange-merde. T'en es le champion, je te félicite. Quand Denis m'a dit Wojtek, je lui ai dit parfait. Tu veux du flow? Ça fait prep parfait. On veut du frais, tu vas remballer ton flow claqué. Qui a dit que ce soir le petit Louvard allait pas te baffer? Comme ils le disent au Québec, hein, relaxé, va falloir me faire croquer car la GA c'est taffé. Je te mets la misère, je te retourne, je te fais valser, puis je te renvoie chauffer des pâtes dans ta maison de quartier. Time, motherfucker! Y'a ta grand-mère qui te cherche, vilain garlement. Avant de me faire la morale, assume-toi financièrement. T'as pas l'âme d'un chef de guerre. Déjà, t'es pas un bon stratège. En plus, tu dors dans un lit avec des draps à la Reine des Neiges. J'estime que j'ai pas à écouter ta flûte, espèce de fils à papa en streetwear. Pour ces banlieues qui te font bander, tu sais, t'es qu'un sale petit gouer. Loulou, chez nous, t'es grillé comme l'expression rastaquer. Et ce même si t'as la même coupe que tes grand-mères après la guerre. Oh Louvard, autoproclamé la relève du rap. Si seulement t'avais choisi tes mots comme tu choisis tes sapes, car t'es plus princesse que poète, y'a pas un détail qui m'échappe. À chaque battle, tu te rases la tête comme une pétasse se rase la chatte. Et puis arrête de jouer les vénères, moi je sais que t'es un bon gars. La première fois qu'on s'est vu, tes yeux brillaient par les mangas. Je me rappelle, c'était en coulisses, RC7 ou RC6, t'étais assis près de Madou qui avait sa main sur ta cuisse. Moi, perso, ton rap, il m'excite pas. Je sais pas, j'arrive pas à y croire. Tu veux savoir pourquoi? Bah, regarde dans un miroir. Je te vis comme une déception. Un devoir, pas une envie. Mais ça fait chier parce que de ton point de vue, c'est le plus grand jour de ta vie. Ça fait des mois que ça t'obsède, tu peux rien, tu suis les sefs. Je parie qu'il y a des toiles d'araignée à l'entrée de la chatte de ta meuf. Pardon, de ta petite copine. Alors ça fait des mois que tu taffes avec ton staff au grand complet, mais j'encule à la queue leu-leu tous ceux qui se cachent dans tes couplets. C'est vrai. Les Godier. Et autres tailleurs de pipe, vous vous échangez les faces, les brosses à dents et les slips. En soi, votre rap, il est pas mal. Non, je rigole, il pue la merde. Ça s'adresse qu'aux pisseuses et aux petits bouffons imberbes. Et puis j'ai vu vos clips et je trouve votre gestuelle fascinante, mais moins que l'ambiance homosexuelle latente. On peut en parler? C'est tabou ou c'est comment? Maintenant, je comprends mieux au luxe vos excès de coke, d'alcool et de mescaline. Vous assumez pas votre attirance pour la gente masculine, bande de pédés. Même si à ton âge, c'est normal de pas gérer ses hormones, mais de là à rêver d'un coït analanthrome, ça sent la chebébrie refoulée. Le petit Jordan est attendu par sa mamie à l'accueil. Le petit Jordan. Louvard,
Denis est juif, t'es polac, on est en France pour monter 11 hectares couchés. Big up à la courageuse qui a quand même osé t'accoucher. T'as la gueule de Laurent Ruquier, donc ton concept, laisse-moi le pousser. Fais un remake de son émission avec Saint-Sou, appelez ça On n'est pas douché. Hey. T'es parti en vacances dans un camp de nudistes allemands. T'as rencontré un tas de gens bien. T'as baisé deux mecs sidatiques sur une machine à laver. Das deux en un. Avec ton flow, toujours le même, depuis que t'as commencé les clashs. En plus, ce flow, on le connaît bien parce que tu l'as volé à Card. Avec ce flow qui casse les couilles à toutes les phases qui peuvent marcher, je pourrais même leur raconter que j'étais au supermarché. T'as la gueule déformée, une vraie tête de taré. On dirait que vous êtes plusieurs dans ta tête et que les autres, ils essayent de se barrer. Tête d'anus rétractée. Joue pas le prof, tu me fais un cours de merde. T'es plus dans le move, t'es à court de thème, t'es dans le four, je te saigne. Tu t'es trouvé à 35 ans, papy. Moi, à 35 ans, j'aurais déjà assez acquis pour me perdre. Tu diras que je suis un bourge, mais des fois, j'ai du mal à finir le mois. Donc, je t'explique, je suis un luxembourgeois et je suis plus polonais que toi. Tu l'aimais trop, Pauline, hein? Tu voulais lui offrir de l'or. Vous êtes sortis ensemble, toi et elle? Ouais, vous êtes sortis dehors. T'as pas de bars, Michel. Moi, j'ai des bars, Michel, et des poils de la chatte de ta petite Pauline part, disait en guise de bar, Bichette. Toi, tu l'as emmenée à l'hôtel, tu lui as dit « je suis blond vénitien », elle t'a dit « t'es tout roux, tout roule ». T'as voulu jouer l'américain, tu lui as dit « can I do you to you ». Le matin, tu t'es levé de bonne humeur, genre « tout cool, youhou ». T'as levé la couette, t'étais perdu, t'as vu Nem avec une perruque en train de te faire des pouillou pouillou. Quand on était au kebab avec Nem, tu me disais que je te mettais la pression, grand con. Tu me soutiens depuis le début, chaque phase où tu m'insultes est un tissu de mensonges. Donc pour finir, Michel, c'est pas la joie pour les Michel en ce moment. Tout le monde pensait que Wojtech Michel allait tout niquer. Pour Pauline, je déconnais, hein, y a que des tons que t'as courtisé. T'es qu'un faux, le genre de faux que même les fourniraient. Moi, je me suis pas fait violer ce soir car je savais d'avance que Michel fournirait. Wojtek! Ton rap prétendument technique est bon, mais vite d'âme et mécanique. Mais si t'es si fort que ça, si tu sais tout, comment t'expliques? Malgré tes jeux de mots, tes patterns, tes flows multisyllabiques, malgré tes 72 battles, t'as encore fait aucun classique. Comment peux-tu... À part le mien. Comment peux-tu, petit merdeux, oser comparer nos parcours? Oui, on s'amuse tous les deux, mais on joue pas dans la même cour. C'est vrai? Ça y est, mais... Excusez-moi, hein, je me permets de l'antisèche à mon niveau, de toute façon... Exactement, j'avais une descente. C'est mal au rein ce matin, en plus. Hein. Ah oui, j'ai accepté ce battle, voilà, certes. Mais faut que tu saches que je l'ai fait dans le seul but de ne pas passer pour un lâche. Mais en soi, toi, ton rap, ton pays, bah, je m'en branle tellement la nouille. Le Luxembourg fut fondé en l'an 1100 les couilles. Alors, retourne dans ta grisaille à fantasmer sur ta tante, toi l'héritier de leur bourgeoisie aristocrate et décadente. Non, j'ai rien contre ta famille, je sais que ton père charbonne, mais t'as grandi en voyant des gars déglinguer ta daronne. Des ouvriers à domicile, des infirmiers à l'hosto, des doublettes serveurs cuistots dans les chiottes des restos. Rien ni personne lui résiste, mais même ton père s'en félicite, car après tout, au Luxembourg, c'est un signe de réussite. Et même le FBI s'en sert comme base de données ADN, vu qu'elle a coffré plus de foutre que les banques de sperme européennes. L'antithèse, c'est l'antithèse même de la Madone. Que le ciel pardonne ta daronne d'avoir un flot de cyprine qui rend jalouse la Garonne. Salope! Elle m'a salopé le parquet en lâchant des litres de mouille. J'acceptais de la ken qu'avec une combi d'homme grenouille. Hey. C'était pas une femme fontaine, wesh. C'était une femme Karcher. Ce que j'ai trouvé tout au fond n'était ni halal ni cachère.
je vous raconte vite fait. Bon, je venais de jouir dans le cul de sa mère. J'allais me retirer, mais il y a eu comme un appel d'air. Je me suis fait aspirer. Rigolez pas, je reviens de loin. Hé, hey, rigolez pas. Hé, hey, j'ai failli y rester. Il y avait des corps de Roumains, de trois gangs de MST. La paire de couilles de ton père, un paquet de clopes, quelques punchlines. Vous pouvez arrêter de chercher l'avion de la Malaysia Airlines. Ça commence à m'ennuyer. T'inquiète, je vais t'épargner. J'ai même pas envie de te cogner. C'est que t'es arrivé à un moment où j'en ai marre de gagner. Alors, je te laisse le titre. Pars avec, estime-toi heureux. Parce que je suis pas venu te battle. Je suis venu vous faire mes adieux. Ciao. Bye. Yo, Larry Sess pour juger le main event Wojtek Louvar. Je vais commencer par dire qu'au premier round, on a vu clairement une grande différence de niveau. Ça a été à Wojtek sans conteste. Sauf que, au deuxième round, on en a vu un adversaire qui rendait les coups. C'est un round qui est très difficile à départager parce que c'est encore là, c'est deux styles qui diffèrent. Je crois qu'on peut le donner à Louvar. Mais si ça doit se jouer au niveau du troisième round, je suis désolé Wojtek, je sais que tu avais l'intention de prendre ta retraite, mais moi je te donne le battle, et donc il va probablement falloir que tu reviennes. Et voilà, donc premier round très facile à départager, deuxième round débattable, on peut le donner à Louvar. Je pense qu'il y a un argument qui peut aussi être fait pour Wojtek facilement. Mais au final, le champion reste champion, et puis il va falloir qu'il revienne, alors voilà. Charlotte à Philly, Charlotte à Zef, Team Word Up dans la place et Charlotte à Denis qui malheureusement a pas pu être ici, mais c'est le patron et on respecte le patron, voilà. Peace. Ok, c'est Cam News. J'en profite pour faire une petite pub. 26 février dans les bacs au SNS. Donc voilà, donc je suis là pour le main event, juger le main event, donc Louvar et Wojtek. Donc un battle très 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 difficile à... En tout cas, c'était du gros show, chacun a donné du lourd, très difficile à juger. Donc j'ai donné égalité, donc premier je le donne à Wojtek, le deuxième je le donne à Louvar, le troisième j'ai donné égalité, c'était très dur à les différencier. Donc voilà, donc il a fallu quand même donner un gagnant, on nous a interdit de donner égalité, donc je suis parti du principe que s'il y a égalité, à la boxe, c'est le champion qui garde son titre s'il n'a pas été battu. Donc je la donne à Wojtek. Voilà. Ok. Très difficile de juger ce battle. Les deux MC n'ont pas démérité. Je tiens à signaler quand même que Louvar est quelqu'un que j'apprécie énormément, dans le sens où il amène de la technique, il a de l'humour, il a pris des challengers vraiment puissants. Le truc, c'est que Wojtek, c'est un mec, je crois, qui est amené à rester dans les annales du rap contender parce qu'il est imprenable. Et je pense que si un adversaire veut gagner face à lui, il faut qu'il ait le edge sur tous les couplets, qu'il ne le laisse pas prendre son aise ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que Louvar, son premier couplet était mortel, mais dès la première phase, Wojtek a fait oublier, il l'a balayé. Il a fait oublier au public Louvar. Et c'est là le problème en fait de Wojtek, c'est que il anéantit ses adversaires par sa présence, son jeu de scène. Il n'est pas hyper technique, tout le monde le sait, mais il a des images, il a une assurance qui font qu'il prend de l'ampleur et qu'on est obligé de le donner gagnant. Bon, tout ça pour dire que pour moi, le premier
c'était Wojtek. Le deuxième, c'était Louvar. Et je voulais que le troisième y ait une égalité et donc il y ait un overtime. Et comme à chaque fois, on ne peut pas avoir d'overtime. Les mecs ne sont pas prêts. Donc la victoire va à Wojtek parce qu'il faut laminer Wojtek pour avoir vraiment une victoire nette, précise. Ok, je suis là pour juger le battle, le main event, Louvar contre Wojtek. Très compliqué, franchement. Parce qu'en fait, le premier round, je le donnerai à Wojtek. Une entrée directe, fracassante, tout ça, il a tenu le truc. Le deuxième, Louvar. Louvar, franchement impressionnant. Je pense que c'est un des premiers, un des rares qui a réussi à faire vaciller, on va dire, Wojtek dans un battle, surtout dans les battles pour le titre. Et en fait, le troisième était serré et il y a eu le problème de est-ce que Wojtek a sorti comme il dit, son anti-sèche parce que c'était voulu, ça faisait partie du personnage ou du jeu de scène, ou est-ce que c'était vraiment une anti-sèche, on ne sait pas. Et en fait, moi, je mets égalité sur le troisième. Et comme on disait avec les juges, le problème, c'est que le champion, tu dois... normalement, le rookie doit taper le champion pour passer champion. Ça veut dire que s'il y a match nul, c'est le champion qui reste dans la logique, tu vois. Et c'est pour ça que... enfin, moi, pour ma part, je l'ai jugé comme ça. 1, Wojtek, 2, Louvar et 3, Execo pour moi. Mais en tout cas, grosse performance de Louvar. Pour moi, c'est son meilleur battle. Il m'a surpris, impressionné. Et je peux rien dire de plus, voilà. Au départ, je me disais que j'allais passer une soirée facile. Avec en regardant des battles, en vraiment en prenant mon plaisir. Mais c'est pas comme le public, c'est vraiment un boulot d'enculé d'être juge. Taipan avait raison de le dire sur d'autres fois. J'ai jugé 3 battles qui étaient super durs ce soir. Celui-ci en fait vraiment partie. Incontestablement, Louvar est le meilleur adversaire qui ait jamais affronté Wojtek. Même quand Wojtek a affronté Jazzy, qui pourtant était vraiment quelqu'un qui performait énormément à l'époque, certainement encore aujourd'hui s'il le faisait. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé que Louvar était l'adversaire le plus difficile que Wojtek ait jamais eu à rencontrer. Tout passe bien, techniquement il est très fort, il a un charisme qui fait que tout passe aussi, même dans les phases, il arrive vraiment à prendre un contre-pied. Maintenant, c'est vrai que quand même au final, malgré tout ça, et c'est vraiment au bout d'une réflexion très longue et de discussion que effectivement je la donne à Wojtek, parce que voilà, même s'il y a beaucoup toute cette construction de phase qui vient, la punchline arrive au bout de la quatrième multisyllabe et qu'il le fait vraiment avec une super force, Wojtek, il n'a pas besoin de tout ça et il dit ton prénom c'est Jordan Time. Voilà, y a... alors que n'importe quel MC ou parmi tous ceux qui sont ici aurait certainement fait une multi avec justement ce time, justement tu t'appelles Jordan Time. Donc c'est vraiment très dur parce que enfin voilà, après même il y avait même le petit Jordan est appelé à la caisse ou à l'accueil. Enfin voilà, t'avais comme l'impression que t'étais dans un jeu avec un boss de fin. Et il y avait même encore une surprise, même si Wojtek a vraiment eu, effectivement il a quand même juste à dire beat et puis le public tombe pour lui. Je trouve que d'ailleurs Louvar l'a bien analysé là-dessus. Mais il y a quand même un truc quoi, je dirais, ce truc là t'es obligé de dire qu'il existe. Et c'est pas forcément quelque chose de palpable, et c'est ça qui rend magique ce spectacle. Mais voilà, c'est j'ai vraiment le plus grand respect pour ce que vient de faire Louvar. Et j'ai aussi le plus grand respect pour ce qu'a fait Wojtek, et ce qu'il a amené, ce qu'il a construit. Et forcément qu'on peut pas lui dire que tout ce qu'il a construit avant ne sert pas. Et certainement que si Louvar devient le nouveau boss, tout ce qu'il a fait avant va aussi le servir. Et il faudra aussi qu'il en joue, voilà. Ciao. On est de retour pour la décision des juges. S'il vous plaît, déjà, faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Alors, la victoire revient à Wojtek. Est-ce que les deux MC, s'il vous plaît. On se revoit la semaine prochaine ou pas ?